mon nom musulman est Ahmed Kazim. J'utilise toujours mon nom occidental, français, dans la vie de tous les jours. Pour parler un peu de ma vie, je suis né dans un environnement modeste. Mon père était ouvrier et ma mère était gardienne d'un stade de football. Et depuis petit, j'ai toujours été très croyant. Lorsque je me levais le matin, j'avais toujours cette joie de découvrir le monde dans lequel j'évoluais. Et quand j'étais petit, que je sortais dehors le matin, je me disais, tout existe encore. Rien n'a été détruit pendant la nuit. Et j'avais déjà cette pensée vers la grandeur de Dieu. Mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus. Mon père était athée, bien qu'ayant reçu une éducation religieuse. Et ma mère était et toujours chrétienne aujourd'hui. J'ai passé de longues heures dans mon enfance à méditer. Notre maison était très éloignée de la ville. Moi, je passais du temps dans les bois, dans les champs, à regarder les animaux, à méditer, à rester immobile et à observer la nature. Et puis ensuite, j'ai fait une scolarité qui s'est terminée à l'âge de 16 ans, où j'ai pas beaucoup travaillé. À l'école, je voulais être musicien, je voulais être artiste. Et donc l'enseignement à l'école ne me plaisait guère. Néanmoins, je lisais beaucoup en dehors de l'école. Donc à 16 ans, j'ai fait des petits boulots. J'étais pompiste, j'étais archiviste, coursier. J'ai fait des petits boulots. Puis j'ai rencontré mon épouse qui est originaire de Kabylie. Et donc ça a été le coup de foudre quand je l'ai rencontrée. J'ai su que c'était elle pour toute ma vie. Et nous sommes mis ensemble. Et j'ai voulu découvrir ce que c'était que l'Afrique du Nord, la Kabylie, l'Orient. Je pense que tout ça me plaisait déjà avant de l'avoir rencontrée. Tout cela m'intéressait fortement avant même de l'avoir rencontrée. Ensuite, c'est elle qui m'a poussé à reprendre mes études. Donc, j'ai pris des cours du soir, des cours par correspondance pendant plus de 7 ans. Après cela, j'ai obtenu un poste d'ingénieur dans une société d'informatique où j'y travaille depuis 17 ans. Où je suis directeur technique en charge de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Je me suis intéressé au départ à l'Orient, je ne m'intéressais pas à l'islam, mais cette force que je voyais chez les musulmans, cette droiture, cette discipline de vie, et ce contrôle sur eux-mêmes, m'intéressait fortement. Donc j'ai beaucoup lu sur l'origine l'Afrique du Nord, de la préhistoire jusqu'à nos jours. J'ai beaucoup lu sur le Moyen-Orient, mais ce n'était pas encore des lectures philosophiques ou spirituelles. Parallèlement, j'étudiais le bouddhisme. J'ai étudié le bouddhisme pendant plus de 10 ans. Ensuite, j'ai eu un malheur dans ma vie, puisque ma femme et moi, nous avons perdu un enfant après la naissance. Et je me suis beaucoup interrogé sur le sens de la vie. J'ai essayé de trouver une raison, même à l'époque, une raison même d'exister, une raison de vivre. Et donc j'étais très, très triste. Cette vie ne me plaisait pas ici-bas. Je n'arrivais pas à trouver le bonheur. J'étais heureux avec mon épouse, et néanmoins nous avions quelque chose, une tristesse qui faisait que personnellement je m'intéressais à rechercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus puissant. Et puis
puis un jour, j'étais tellement malheureux que j'ai appelé mon Dieu, 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 pendant très longtemps, pendant plus d'une demi-heure comme cela. Et j'ai su après, en entrant dans la voie soufie, que ça ressemblait à une invocation d'Allah, qu'on appelle le dhikr, qui est une invocation pour se retrouver auprès de lui dans sa protection. Au même moment, parallèlement à cela, mon meilleur ami, qui était lui Kabyle, s'était remis à faire la prière et avait rencontré un guide spirituel de la voie soufie, un Naqshbandi. Et il m'a dit, écoute, puisque tu ne vas pas bien, je vais te donner un livre dans lequel il y a des enseignements spirituels de ce grand maître à propos de l'islam, hein, qu'on appelle des sorbats. J'ai pris ce livre, j'ai mis du temps à l'ouvrir, j'ai mis du temps à le lire. Et puis un jour, je suis allé avec ma famille au Maroc. Et lorsque j'ai ouvert ce livre, il y avait une sorbate sur les serviteurs d'Allah. Qu'est-ce que c'est que d'être un bon serviteur d'Allah? Alors, la sorbate disait que être serviteur, ce n'est pas être esclave. Alors, déjà, ce point de vue m'intéressait. Être serviteur, c'est prendre le contrôle de soi-même pour mieux servir Allah. Cette sorbate faisait le parallèle avec les serviteurs de la reine d'Angleterre, par exemple. Disant que ses serviteurs, à force d'approcher les nobles, les rois, prenaient de leur noblesse. Et c'est ainsi qu'on prenait l'exemple de la vie, du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait espérer recueillir de cette noblesse dans notre comportement au quotidien et en bénéficier pour notre droiture, pour devenir un homme respectable et respecté, être un bon père de famille, écouter, et qui sait écouter les autres. En lisant ces sorbades, au même moment, dans ce club de vacances, je voyais les serveurs dont je savais que certains faisaient la prière, et je voyais leur comportement toujours discret, avec beaucoup de courtoisie, que l'on nomme l'adab au Moyen-Orient, et que j'ai beaucoup étudié par la suite. Et cette courtoisie, ce calme, cette sérénité à servir les autres, et même si quelquefois les autres étaient difficiles, au même moment m'a inspiré et j'ai décidé que si eux pouvaient servir les gens comme cela en étant aussi dignes, je pouvais moi-même servir Allah en étant quelqu'un de digne dans la vie. En lisant les écrits de Cheikh Nazim, le guide spirituel de la voie Naqshbandiya, j'ai ressenti beaucoup d'amour et je n'aurais pas pu prendre une religion sans amour, sans paix, sans respect. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là de devenir musulman. Alors bien sûr, entre devenir musulman et pratiquer, entre vouloir devenir musulman et pratiquer, il y a une distance, un chemin, un moment donné où on est fragile, où il ne faut pas se tromper de maître, il ne faut pas se tromper de voie, il ne faut pas se tromper d'enseignement. Bien sûr, il y a ce qu'on doit faire tous les jours, la prière 5 fois par jour, les 5 piliers de l'islam. Et puis, il y a les commentaires des uns et des autres, bien entendu, ceux qui disent, qui savent, etc. Et donc, c'est pour un débutant, il faut tomber entre de bonnes mains. J'ai eu cette chance-là, de tomber entre de bonnes mains. Tombé avec des gens, une communauté qui m'ont dit va doucement, ta famille n'est pas dans l'islam, tes enfants ne sont pas dans l'islam, va doucement, ne brusque pas ta famille et ne crée pas de la discorde chez toi, c'est ton épreuve. Je voulais à la fois
de rentrer dans l'islam, devenir musulman, et à la fois garder ma famille, ne pas les surprendre par des comportements dont ils n'avaient pas l'habitude. Effectivement, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont guidé pas à pas. Je dois dire qu'aujourd'hui, dans ma maison, et dans ma famille également, c'est largement accepté et respecté, et bien parce que aussi je les respecte dans leur choix également. Et ce statut de devenir musulman au sein d'une famille non musulmane, au sein de ma propre famille, qui n'était pas une famille pratiquante dans l'islam, nous fait remonter aux origines. Lorsque les premières personnes sont entrées dans l'islam, leur famille n'était pas musulman. Et donc, ils avaient aussi cette charge, cette épreuve à subir. Donc certains se coupaient complètement de leur famille et d'autres essayaient de vivre en harmonie. Ce qui m'intéressait, c'était de vivre en harmonie avec des gens qui ne pratiquaient pas l'islam. Et en fait, assez tôt, dans ma famille, le jambon a disparu du frigo tout naturellement. Donc tout ce qui pouvait, on avait quelques bouteilles d'alcool, moi je buvais pas d'alcool, mais on avait quelques bouteilles d'alcool pour les invités, elles ont disparu assez tôt de la maison également. Et donc j'ai eu une bonne surprise lors de mon premier ramadan, de voir par exemple mes enfants venir faire la prière avec moi, et ma femme décider de refaire le ramadan avec moi. Je trouvais que ce sont des moments qui sont forts dans la vie d'un non-musulman, que de voir sa famille accompagner le père, le chef de famille, dans la pratique de l'islam. Et récemment, j'avais une conversation avec mon fils aîné qui disait que de voir son père pratiquer l'islam, ça avait des retombées sur la famille, une sorte de conduite dans la vie, une droiture, une discipline de soi, un contrôle de soi qui montre l'exemple aux enfants. Je suis pour le fait de donner l'exemple et que les personnes suivent cet exemple, et de ne pas contraindre les personnes par la force sur quelque chose auquel ils ne seraient pas forcément convaincus. Et aujourd'hui, je dois dire que les résultats sont, pour moi, de mon côté, sont très intéressants. Ce travail sur les épreuves, je l'ai vraiment découvert dans les lectures de Jalaluddin Rumi. Pour lui, les épreuves servent à purifier notre cœur, en fait, pour se trouver soi-même, pour se chercher, pour avoir une relation également vers la spiritualité qui soit sincère et honnête. Il faut regarder dans son cœur. Et souvent, dans notre cœur, on a un cœur avec beaucoup de taches, comme un miroir, avec beaucoup de taches de rouille dessus. Et ce qui purifie ce miroir sont les prières, ce sont les dhikrs, les invocations, et ce sont également les épreuves, pour peu qu'on accepte ces épreuves et qu'on soit sincère, toujours sur le chemin de se rapprocher d'Allah. Et petit à petit, le miroir se polit, et on peut voir à l'intérieur, et on voit mieux les choses, elles sont moins parasitées, elles sont moins brouillées. Et donc c'est cette recherche, tout en pratiquant l'islam, que j'ai fait vers la spiritualité, en découvrant les lectures de Jalaluddin Rumi, notamment, qui m'a beaucoup inspiré. En travaillant sur la voie soufie, en lisant Jalaluddin Rumi, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais en lisant les lectures de Jalaluddin Rumi, qui résonnaient dans mon cœur. Et puis un jour, j'ai entendu le naï, et je me suis dit qu'il fallait que je joue de cet instrument. J'avais des sons
qui me résonnait dans le cœur et dans la tête. Ça devenait un peu obsédant, donc j'ai acheté mon Ney, mon premier Ney, Ney iranien, et après 3 heures de cours, je me suis mis à jouer naturellement. Et ce qui est pas commun. Jalaluddin Rumi, notamment le livre du dedans, le Masnaoui, il y avait quelque chose dans les écrits de Jalaluddin Rumi qui résonnait comme une vérité dans mon cœur, et je ne savais pas comment l'exprimer. C'était juste un sentiment, il n'y avait pas de parole que je pouvais mettre dessus. C'était une vérité, et cette vérité, en fait, j'ai pensé la restituer sous forme de musique aux autres, parce que je crois qu'à la fin, bah, il n'y a pas vraiment de paroles à prononcer. Les liens du cœur, c'est quelque chose qui est très cultivé dans les confréries soufis, et où la parole n'est pas vraiment nécessaire, où la courtoisie est abondante, et le respect de la loi islamique également. Et donc, en entendant cette musique, j'ai acheté un Ney iranien et j'ai pris quelques cours. Et après ces quelques cours, bah, je me suis mis à jouer tout naturellement du Ney. Et j'ai demandé l'autorisation à un Shir Naqshbandi qui était musicien, un guide spirituel Naqshbandi. Et bien entendu, il me l'a donné. C'est leur adab de donner lorsqu'on demande. Et surtout lorsqu'on joue pour donner quelque chose aux autres, qu'on joue pour aller vers la spiritualité, on joue pour aller vers Allah. Et puis je me suis mis à jouer et j'ai rencontré différentes personnes, différents guides spirituels de la Naqshbandiya à Londres, en Allemagne, en Belgique, etc. Et chacun me disait de continuer, et un jour je suis allé à Chypre, voir notre Shir, et dans la rue, comme ça, il m'a appelé, il m'a dit: alors finalement tu es arrivé jusqu'ici, bien que je ne le connaissais pas.
Et il m'a dit, Where is the ney? Où est le ney? J'étais surpris parce qu'il était dans un emballage et personne ne lui avait dit que je jouais du ney. Enfin, c'était vraiment un moment assez confus pour moi. Et il a pris le ney et il a soufflé dedans, son souffle d'une sainte personne, on va dire. Et il m'a dit, en anglais, il m'a dit, tu peux jouer maintenant, tu as mon autorisation et tu peux jouer où tu veux. Et donc depuis, je fais des concerts parallèlement à mon travail. J'ai en fait partagé ma vie entre ma vie professionnelle, ma vie et ma vie spirituelle. Bien sûr, on dit chez Naqshbandi que la perfection, c'est un homme qui travaille, qui élève ses enfants, qui a un bon père de famille, qui donne un toit à sa famille, qui nourrit sa famille. Et qui exerce une activité professionnelle et qui ne cesse un instant de penser à Dieu, de penser à Allah. Et j'aime bien cette perception de ma vie dans l'islam, qui est de. Les gens m'ont dit, tu n'as pas réellement changé depuis que tu es devenu musulman, tu es toujours resté le même. Je pense que j'étais déjà, en fait, musulman avant de le devenir. Spirituelle dans laquelle je me suis engagé, on explique une perfection, ce qui pourrait être proche de la perfection, c'est un homme qui élève ses enfants, qui a une maison pour sa famille, qui est marié, qui exerce une activité professionnelle, et qui pourtant, ne serait-ce que un quart de seconde, il ne cesse de penser à son Dieu. Et je pense que c'est vraiment personnellement ce qui me caractérise. Partout où je suis dans le moment, je suis dans l'activité, avec le respect des hommes, des femmes, et des créatures, de l'environnement. Et pourtant, j'ai toujours mon cœur accroché à Allah. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement que j'ai pris dans cette tarika. Donc si on voulait revenir un instant aux moments qui ont fait que je me suis rapproché de Dieu, il y a des moments importants dans la vie qui font que les personnes se rapprochent de Dieu. Personnellement, moi, ça a été un jour un accident de kayak. Donc, personnellement, c'était un accident de kayak où je suis resté bloqué, la tête en bas, entre deux rochers, dans un torrent en Ardèche. Il était impossible de venir me rechercher. Et petit à petit, je sentais l'air qui s'en allait de mes poumons et je sentais la mort arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, eh bien voilà, j'arrive. Je ne m'étais jamais fait la confession de cette croyance. Et pourtant, c'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Et fort heureusement, il y a une main qui a attrapé mon kayak à ce moment-là, qui était le professeur, et qui m'a sorti de là. Donc ça m'a beaucoup. Je me suis beaucoup interrogé après cela.
Et bien entendu, j'ai vécu mon adolescence en tant que Français. Ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai eu une grave maladie où ma mort était annoncée, puisque j'ai fait une hépatite C. Et là, il me restait que 2 jours. Enfin, on allait savoir au bout de 2 jours si j'allais vivre ou pas. J'ai été à l'isolement pendant 2 mois. Fort heureusement, ben, j'ai survécu, j'ai vaincu cette maladie qui n'avait pas de traitement à l'époque. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'occupe de moi-même, que je prenne le contrôle sur moi. Et c'est ensuite le mariage, la vie en commun qui m'a amené également aussi à penser à prendre le contrôle sur moi, à devenir un homme responsable, un bon père de famille, un bon chef de famille. Et j'ai essayé de trouver un moyen de prendre davantage le contrôle sur moi-même. On dit dans les voies soufis que, notamment les Tariqa Naqshbandiya, qu'il faut prendre le contrôle de son ego. On dit souvent, si tu ne t'occupes pas de ton ego s'occupera de toi. On considère l'ego comme un cheval sur lequel on serait monté. Et ce cheval a toujours envie, lui, d'aller monter le gazon un peu plus loin, d'aller se reposer. Donc il faut en prendre le contrôle, il faut en prendre les rênes. Si le cheval est fougueux, bah, ça peut être intéressant parce que plus on contrôle un cheval fougueux, et plus il peut nous emmener très haut. Et donc j'aime bien aussi ce travail sur soi, notamment par la dab, par la courtoisie, par la retenue, et également par l'aide qu'on va apporter aux autres, le service qu'on va apporter aux autres ou à la communauté restreinte ou élargie. J'apprécie de ce travail-là que je fais sur moi depuis que je suis rentré dans cette voie spirituelle. Et pourtant, je ne vais pas toute la journée, comment dire, prendre la tête à ceux qui m'entourent sur des voies spirituelles. Je suis quelqu'un de très discret sur ma croyance, sur ma spiritualité. Bien des gens ne savent même pas que je suis musulman. Et ça ne m'empêche pas d'être un bon pratiquant et d'avoir une foi très solide. Donc c'est un peu de cela que je voulais témoigner aujourd'hui au XXIe siècle, comment un Français peut se convertir à l'islam, qui pour moi était une religion de vérité, une religion de proximité. Je voulais une religion qui me permet d'avoir un langage direct avec mon créateur, et pas d'intermédiaire autour. Je voulais être également guidé. Nous avons aussi dans l'islam Coran al-Hakim, qui lui est une source un océan sans fond et sans rivage, et qui est une source de bien-être et de bienfaits pour ceux qui savent le lire avec leur cœur. Et comme on dit, un élève une fois avait dit à son maître, Shir, j'ai parcouru le Coran cette semaine. Et le Shir lui a répondu, mais t'es-tu laissé parcourir par le Coran? Donc je trouve que ces enseignements sont toujours bénéfiques et nous permettent à la fois de pratiquer notre religion, charia, d'avoir un chemin, tariqa, qui te permettent de découvrir une certaine vérité, hakika. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie qui me permet à la fois de vivre dans le monde contemporain d'aujourd'hui, même si c'est difficile pour un croyant de vivre dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Il faut vivre dans le monde contemporain. On ne peut pas s'isoler, on ne peut pas non plus imposer par la force, mais imposer par l'exemple. Imposer par l'exemple pour que des gens puissent par la suite nous suivre, puis il faut respecter aussi ceux qui ne nous suivent pas. On dit souvent, il y a un mot en arabe, le mot de mécréant, par exemple. Mécréant, il veut aussi dire un autre mot qui signifie la graine qui va germer. Il faut toujours avoir espoir, hein, que pour les croyants,
que cette graine va germer. Il faut être respectueux de ceux qui pratiquent, il faut être respectueux de ceux qui ne pratiquent pas, et ceux qui disent non, je n'y crois pas, eh bien, c'est leur avis, c'est leur façon de faire. L'important, c'est d'une part et d'autre, ne pas empiéter sur les croyances ou les non-croyances de chacun. Chacun doit être un exemple pour sa communauté, pour sa famille, et c'est par l'exemple, en travaillant sur soi, et en étant soi-même un exemple pour les autres, que les choses pourraient devenir agréables, hein, si chacun se respectait, si la courtoisie était de mise, tout en demandant aux personnes de ne pas empiéter sur certains terrains, et soi-même de ne pas empiéter sur certains terrains. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم كل والله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل والله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله أحد الله أحد ولله الحمد. La finalité de cette histoire, c'est que j'étais perdu, je me cherchais, je ne savais pas qui j'étais. Souvent, cette question revenait, mais qui suis-je, qui, et par cette voie, en fait, je me suis trouvé. Je me suis trouvé avec mes qualités, avec mes défauts, mais je me suis trouvé, enfin. J'ai trouvé moi-même. Alors effectivement, au sein de ma famille, quand j'ai dit que j'allais devenir musulman, il y a eu des craintes. Il y avait des craintes que je devienne intégriste, que je devienne... surtout, lorsqu'on a vécu 15 ans dans une famille sans être musulman, et puis qu'ensuite on devient musulman. Alors j'ai été bien entouré à ce moment-là, parce que les personnes avec qui j'étais m'ont dit « il faut aller très doucement ». Il faut aller très doucement pour que les personnes autour de toi puissent accepter le fait que tu sois devenu musulman. Et il faut que tu donnes l'exemple. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut que tu sois un exemple pour les autres. Et donc c'est ce que j'ai fait à la maison. Je priais dans mon coin sans que personne vraiment ne me voie, sans être ostentatoire, dire oui, voilà, c'est ça, c'est ceci, la vérité est là, etc. La vérité, déjà, elle venait en moi. Donc j'avais pas les capacités d'être un professeur et aller enseigner à d'autres ce que moi-même, j'avais des difficultés à intégrer, avec ma foi et mon bon cœur. Et petit à petit, à la maison, assez rapidement, tout ce qui était haram est sorti de la maison, mais sans que je le demande. Donc on s'est mis à manger halal à la maison. Voilà, il y a beaucoup de choses, des changements dans les comportements, dans les façons de faire, qui ont changé. Donc ça, c'était à la maison. Puis donc j'étais agréablement surpris lors de mon premier ramadan de voir mes enfants venir faire la prière avec moi, de ma femme qui s'est mise à refaire le ramadan, les gâteaux, et donc tout cela était vraiment une bonne nouvelle. Alors au travail, là c'était différent parce que ça peut avoir des conséquences. À un moment donné, on vit, moi j'étais je suis depuis 17 ans dans la même société. Donc j'ai pas dit au début que j'étais musulman, j'ai continué, et puis petit à petit, je l'ai dit. Mais ce qui est vrai, que ce qui est le fait marquant dans la conversion à l'islam, c'est que je suis resté le même. J'ai pas changé extérieurement avant et après. Il n'y a pas de différence. J'avais déjà une retenue dans la vie, je buvais pas d'alcool,
j'avais une façon de faire. J'étais très imprégné par la culture maghrébine, donc ça, tout le monde le savait. Donc à un moment donné, quand les gens ont su, ça a été pendant le premier Ramadan, bien entendu, où les gens se sont aperçus que j'étais devenu musulman. Et donc il y a eu un dialogue à ce moment-là, qui s'est fait assez naturellement sur le pourquoi de mon choix. Les gens voulaient voir si j'allais réellement changer ou pas, etc. Et vraiment, comme tout s'est déroulé dans une douceur, je pourrais dire pour mes frères et mes sœurs dans la baraka, eh bien, il y a eu une acceptation. Alors, bien entendu, tout le monde ne le sait pas encore, etc. Mais là, je crois que maintenant, il y a au moins 300 personnes qui savent que je suis musulman et à qui ça ne pose aucun problème. Jalaluddin Rumi que j'aime beaucoup, surtout pour les gens qui sont mariés, où des fois c'est difficile entre l'homme et la femme, et qui dit qu'en fait il faut supporter, dans le sens du support, aider les gens avec qui on est. C'est un jeune homme qui cherchait un maître spirituel, et qui avait fait beaucoup de pays pour trouver un maître spirituel dont il avait entendu parler, et qui a un maître spirituel au grand pouvoir. Et quand il est arrivé devant sa maison, il y avait son épouse, et qui devait être une personne dépressive, notamment par ses agissements, je pense, c'est ce que dit un peu l'histoire, puisque lorsqu'il demanda où était le maître, la maîtresse de maison dit « Mais tu cherches ce feignant, cet homme qui emmène les gens sur une mauvaise voie, qui est un bon à rien, qui ne sert à rien. » Et lui s'est énervé à ce moment-là, a dit « Mais madame, vous parlez d'un grand maître spirituel, je ne peux pas vous laisser dire ça. » Et donc il partit de la maison, était assez énervé. Et quand il me demanda au village, on lui dit ben, le maître est dans le bois en train de chercher du bois. Et lorsqu'il arriva dans le bois, il vit le grand maître spirituel monté sur un lion, avec un serpent dans la main en guise de fouet. Il brillait de mille feux. Alors là, l'élève, ayant rencontré son maître, s'agenouille et dit « Vous êtes mon maître, mon guide que je cherche depuis tant de mois. » Mais il lui dit mais votre femme, pourquoi est-elle aussi aigrie, acariâtre, etc. Le maître lui répondit « Mais comment veux-tu que j'arrive à supporter l'humanité entière si je n'arrive pas à la supporter elle, à l'aider ?» Et je pense que ça, c'est intéressant, parce que plus on aide les autres au lieu de se confronter les uns aux autres, et plus on fait l'effort d'aller vers l'autre et de l'aider, et plus ça nous grandit, nous, et plus on grandit vraiment intérieurement, et on peut, avec ça, aider encore plus de personnes.